Cette sensation qui m'appelle ta voix. Une vingtaine d'ados de 13 à 17 ans réunis ensemble pendant 8 jours, avec pour objectif former des groupes, créer un morceau, l'enregistrer puis réaliser son clip, un programme intensif. On pourrait presque croire à une mini Star Academy, mais il n'en est rien. En fait, c'est l'inverse de la Starac, finalement, parce que la Starac, qu'est-ce qu'on fait ? On s'acharne à essayer de faire un morceau qui existe déjà, alors qu'ici, on part des idées des ados et finalement, nous, on leur pose le cadre, mais finalement, ce sont leurs idées. Donc si leurs idées, c'est de faire un truc tranquille et de pas trop se fouler et puis de se contenter de ça, eh bien, ils peuvent le faire et ils peuvent plus profiter des vacances. Sauf que ces musiciens en herbe sont avant tout motivés par la musique. Et du coup, même si le travail ici reste un loisir, ça ne chôme pas. Les horaires sont bien, mais qui nous forcent à travailler. Et moi, honnêtement, j'adore parce que c'est ça que je voulais faire et je suis servi pour mes attentes. Ça permet de faire pas mal de musique via un professionnel et tout. Et en même temps de rencontrer des gens, donc c'est sympa. Tu joues de la grosse caisse ? Sébastien est étudiant à Jazz à Tours, c'est lui qui dirige le côté artistique du séjour. Et il n'est pas mécontent du travail fourni. C'est assez impressionnant, les jeunes, les idées qu'ils ont en fait. Et je vous fais pas de fleurs, hein. Mais c'est vrai que c'est... Bon, c'est des jeunes, évidemment, c'est des adolescents, mais on peut faire beaucoup de choses et ils ont une bonne culture musicale en fait. Dernière étape du séjour, et pas des moindres, vendredi, avec un concert réunissant les quatre groupes formés qui joueront leurs compositions et des reprises, on se quitte avec un extrait du groupe Poulet Phonique.